Ce que je vais faire, c'est hop, faire ça, comme ça, tout ce qui est en... Ok, donc, j'ai... Non, pas ça, ça je m'en fous. J'avais un truc à l'instant. Il est parti? Non, il est là. Est-ce que je peux m'en servir? Ok, donc voilà. J'ai mon étoffe runique qui vient de partir et on va regarder un petit peu. Je suis à... En gros, on va dire 77 000. En gros. Ok, je viens de récupérer quasiment plus de 300 pièces d'or. Ouais, cool, avec mes étoffes, je vais m'avoir fait quasiment 1000 PO. À chaque fois, je reload, hein, ça permet d'avoir... Ok, et j'ai du stuff qui m'est retourné, qui était pas... qui a pas été vendu. Ok, le reste c'est du stuff qui n'a pas été vendu. Ok, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est aller refaire un petit tour à l'HV parce que... Ouais, parce que tout ça, c'est pas parti. Y avait beaucoup de choses, hein. J'avais mis énormément de choses à l'HV. Visiblement, il y a des trucs qui sont pas partis. Il y a des trucs qui sont partis quand même. Je fais ça pour pendant des heures, honnêtement, voilà, ça c'est pour ouais, là par contre j'ai pas tout qui va rentrer là. Ouais. Bon écoutez, bah je coupe, je vais aller à l'hôtel des ventes et puis bah je vais. Ouais. Je vais retourner à l'hôtel des ventes. Honnêtement, attendez, attendez. Avant que j'y aille, honnêtement, il y a des trucs. Je pense que... Non, hop, on va plutôt... Chaque jour est une bénédiction. Il y a des trucs, honnêtement, je pense que voilà, c'est pas très utile. Les chevaliers sulfurie, personne n'en veut. D'accord, le marchand n'est pas intéressé. Que ça par contre ça, c'est juste parce que c'est pas parti au bon prix quoi, mais j'ai vu qu'il y avait des trucs dans les compos, ça je sais que ça va partir, les marques des Illidari par exemple je sais que ça peut pas partir, ça ça partira pas non plus. Oh tiens, j'ai oublié de faire ça, tiens, hop, tant que j'y suis. Voilà. Il me restera deux pour avoir tous les toutes les coutures de Draenor. C'était dans les compos, j'ai vu qu'il y avait
Non, bah c'est tout. Va aller vendre le reste. Ne perdez pas la foi. Non, bah, je suis déçu, je pensais qu'on pouvait avancer, mais en fait, non. Donc, direction l'hôtel de vente, et puis on... Et puis, bah, je remets tout ça en vente. À tout de suite. Bon, ok, on est de retour. Alors, le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, le serveur est très très peu stable. On a plein de redémarrages. J'ai dû être déconnecté 3 ou 4 fois pendant que je revendais tout ce que j'avais récupéré dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, c'est un petit peu la galère. Donc, il est possible que ça coupe encore. Mais voilà, tant que je peux tourner, je peux encore tourner. Enfin voilà. Donc, nous sommes au Vindicare, mais le Vindicare qui est. Voilà, ici en fait hop, si je vous mets de l'Argus, au niveau de l'étendue Anto-Rennes, donc cet argu donc cette ce Vindicare-là, il y a une quête ici. Nous faisons front Alors, ensemble. il y a une quête et il y a un dialogue. Le truc c'est que je me souviens plus si on l'avait lancé ou pas, donc je vais le remettre. Dionys, Akka. Quelle joie de vous revoir, mes amis. J'ai redouté le pire lorsque j'ai appris votre disparition, suite à la destruction de Draenor. Nous avons également eu peur pour votre vie, Khadgar. Mais au fond de moi, je savais qu'il faut plus que l'explosion d'une planète pour vous arrêter. Kurdran et Danat sont-ils sains et saufs, eux aussi? Oui. Même si je ne les vois pas aussi souvent que je le voudrais. Quand tout ceci sera derrière nous, les fils de Lothar devraient se réunir pour festoyer. Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas réunis. Mais, si je me souviens bien, c'est à vous d'apporter les boissons, Khadgar. Eh bien, je ne crois pas. Si, si, c'est bien le cas. La mémoire d'une elfe est infaillible, même après des milliers d'années. Ok. Et il se barre? Non, sérieusement? Ah ouais, c'est barré. Ok, bon. La lumière vous souhaite la bienvenue. Alors, qu'est-ce que c'est? Parler à Illidan. Ah, par contre, à la tanière dérobée. Ok. Il faut aller à la tanière dérobée et on La débloque une légion a balise. rassemblé de nombreux soldats près de ses canons de siège. Illidan devrait déjà se trouver sur place, à affaiblir leur position. Ouais, enfin, résultat, il est à deux endroits en même temps. C'est là? C'est là. Ok, on va avancer encore un petit peu dans le scénario, mais voilà, le problème c'est que c'est toujours un peu l'enfer pour trouver la suite des quêtes en fait. C'est jamais vraiment indiqué, et puis surtout, il n'y a pas de point d'exclamation jaune au-dessus des mecs. Devant rien pour détruire notre monde. Ok, Turalyon veut connaître la situation ici. Ok, objectif atteint. Direct. Bon, en gros, c'est la merde. Ok, d'accord. Aucun sacrifice n'est trop grand. Il croit que j'ai besoin d'aide contre la Légion. Très bien. Essayez de suivre. Ok. Ah oh bah ok, mais d'accord. Bon ok, c'est une quête d'aller-retour. Super. On nous a pris pour le messager entre Turalyon et Illidan, quoi. Qu'est-ce que... What? Alors j'ai pas bien compris pourquoi, mais... Ah, parce que c'est un démon! Bah oui, parce que mon familier est un démon et les autres sont des chasseurs de démons. Apparemment, il y a un bug et ils considèrent qu'ils doivent L'armée de la attaquer... lumière est prête. Bon, hop. Le
cœur de la Légion où nous nous trouvons est bien protégé. Attaquer maintenant serait de la folie. Nous devons nous préparer davantage pour espérer l'emporter. Bon, soit. La lumière vous souhaite la bienvenue. Que la lumière nous guide. Nous suivons tous une voie différente. Venez parler avec moi. Donc ici, il y a une invasion empêchée, mais c'est le... Ok. Ouais, ouais, mon démon se fait attaquer. Je vais le révoquer, hein, parce que... Non, attendez, hop. Vous arrivez à point nommé. Exécution. Le mal sera... Ben, on est un peu coincé. Ici, il n'y a rien de... Juste, on est d'accord, hein, quand c'est moi qui passe... Ouais, quand c'est moi qui passe, je me fais pas attaquer. C'est juste parce que mon familier est un démon et ils font pas de distinction, en fait. Nous sommes le dernier rempart contre la Légion et la fin. Bon. Ok. Oh non, pas eux. Oh non, il y a des diablotins pas loin et ils sont horribles. Ils ont une voix infernale. Ok, bon, ici, donc, il y a visiblement plus rien à voir. Du moins, pour le moment. Je fais le tour, hein. Vraiment, je fais un peu le tour pour voir un petit peu... Objectif atteint. D'accord, ok. Ah, oui, ok. Bon. Alors, il y avait ici. Mais ici, le dernier coup, ça s'est mal passé. Le truc c'est qu'ici en plus il n'y a pas l'air d'y avoir plus de quêtes que ça quoi. Je vais faire un peu le tour mais c'est alors juste d'être une zone quoi de bataille quoi mais. Faites votre rapport. Ouais ok bon, bon allez ça je vais les fournir. Ah d'accord, ok, je peux même pas les fournir, ok, pas grave. Faut que je les ai sur moi, ils sont dans mon coffre de banque, c'est pour ça. Ok, ici c'est non. S'il y a un personnage qui parle. Ouais, ok, ça c'est pour... Ah, est-ce que je peux maintenant lancer l'attaque? Maintenant que j'ai avancé un peu dans les quêtes... C'est rien passé vraiment de plus. J'ai vu qu'il y avait un portail là-dedans. Pendant le chargement, c'est quoi? C'est pour... Ouais, c'est pour retourner au Vindicar, je m'en doutais. Ok, il y a la quête là, mais c'est les... C'est les étoffes. Hein. Donc ici, il n'y a pas grand chose, mais... Ouais, non, c'est les... Ouais, c'est juste les deux quêtes, voilà. Donc, je résume. Si je veux continuer, il n'y a que le raid, mais il faut que je sois apparemment en groupe. Ou alors, il y a une évasion à empêcher, mais visiblement, le script est buggé. Et donc je suis à mon avis définitivement bloqué. Hein. J'ai fait le tour de tout et il y a. Je suis même retourné dans le Xenedar pour voir un petit peu ce qui se disait. J'ai été jusqu'au fond du bastion de Nas machin là. Ouais après si il y a une autre quête, c'est la quête
Les Argunites, j'en drop de temps en temps sur certains démons, surtout des démons de très haut niveau. Mais si c'est ça la quête qu'il faut faire pour continuer, enfin voilà quoi. Donc visiblement on est coincé. On peut pas progresser davantage dans ce scénario. Mais on aura vu des trucs pas mal quand même. Hein. On aura vu. Voilà, on aura débloqué quasiment bah, les trois zones de l'Argus, simplement. Même si, voilà, on n'aura pas expulsé la Légion. Mais honnêtement, je pense que il me reste un dernier point à aller voir, mais j'y crois pas trop. C'est un bon jour pour chasser. Ok. Nous faisons notre devoir pour protéger ce que nous aimons. Bah écoutez, je pense qu'on va Les quitter. démons se rallient autour d'un de leurs champions. Exécutez-le. Je pense qu'on va quitter Légion, hein, tout simplement. On a fait le tour. Enfin, on a fait le tour. Disons que surtout, on peut pas progresser davantage. Ce qui est très triste. J'aurais bien aimé récupérer le dernier truc de couronne, mais là-bas, il n'y a plus de quête. Hein. J'ai été voir, il n'y a pas de quête à prendre. Ici, il n'y a plus rien. Et là, je viens de faire les trois zones avec vous. Je me suis baladé un petit peu à hein. Andorre, il n'y a rien. Y a rien. On peut pas progresser davantage. Donc voilà. Sauf si vous avez une idée de où faut aller, on continuera le scénario plus tard. Je propose, c'est qu'on aille à Orgrimmar et qu'on aille récupérer le cœur d'Azeroth. On va faire deux choses. Premièrement, j'ai envie d'aller voir c'est quoi la fameuse quête, votre heure est venue. Parce que ça, voilà, je l'ai pas. Je sais pas ce que c'est. C'est apparemment lié à Cataclysme, mais je l'ai jamais eu. Mais du temps à chargeur, Grimard. Ok, j'ai eu un bug. Des choses qui arrivent. Alors, avant de continuer ce scénario, hop, on va attendre que ça charge de toute façon. On va juste Ok, donc il y a ça. Il y a ça, c'est ok. Donc, cette quête-là, on va arrêter le suivi. Simplement, je vais simplement cliquer là. Les Argonites, je vais arrêter le suivi. Les sites d'invasion, on va arrêter le suivi. Ça, faut être groupé pour le faire. Le bastion, bah, elle est faite en vrai. Il est frais. Il est fait en vrai, le bastion. Donc, en fait, on va abandonner cette quête, tout simplement. Et celle-là, elle est pas faisable. Bon, j'ai arrêté le suivi pour le moment, au cas où ça se débloquerait plus tard, mais. Ok, donc, et on a notre heure est venue. Alors, il y a pas mal de.
Voilà, il y a aussi la balise là, mais la balise elle est pas. La quête est volontairement pas rendable. Ça c'est la quête qu'on n'a jamais pu rendre. Les fournitures, ça c'est éventuellement des quêtes qu'on pourrait faire. C'est quoi ça? Campagne de démoniste. C'est où ça? Caveau des gardiennes. Ah, Azuna. Il y aurait un donjon pour avoir quelque chose. Et c'est lié à ma classe de démoniste. Je me souvenais pas que j'avais ça. Donc peut-être que ça on pourrait regarder. Bon, les sites d'invasion, voilà. Orgrimmar, on y est. McAfee, on y est. Korken, qu'est-ce qu'il reste? Les sites d'invasion, évidemment. Et fournisseur de la crête de Noirgleza, mais ça pour moi c'est pas réalisable parce que c'est sur la table là, mais qui un coup nous envoie sur notre fief de Draenor ou sur la classe de le domaine de classe. Donc pour moi ça c'est pas faisable. Après voilà, Antorus faut être en groupe. Donc voilà, donc pour le moment, voilà, il y aurait la campagne de démoniste aussi éventuellement à faire. Mais bon. On va déjà voir un petit peu ce que c'est que cette quête-là. Votre heure est venue. Pas grand-chose. Après, il y a. Non, mais ça c'est des quêtes, franchement, à mon avis, c'est bas niveau, ça c'est lié à Cataclysme. Bon, ah oui, alors voilà, alors le problème c'est ça. C'est que si on fait la bataille de Lordaeron, en fait la bataille de Lordaeron, on ne la verra pas. Actuellement, c'est comme ça. J'ai envie de dire, c'est malheureusement comme ça. La bataille de Lordaeron, elle n'est pas scriptée sur ce serveur. Et c'est très triste. J'aurais aimé me battre aux côtés de Dame Sylvanas, clairement. Mais cette bataille-là, la bataille, bah, en gros, apparemment, en même temps, il s'y passe pas plus de choses que ce qu'on voit dans la cinématique, la fameuse cinématique du jeu, quoi. Est-ce qu'on fait ça et puis après on s'attaque au Battleground? Et puis on fera éventuellement en fil rouge la campagne. On peut faire ça. Mais j'aurais plutôt envie de patienter pour faire la bataille de Lordaeron. Parce que je vais la prendre la quête. Mais je vais vous montrer. Hop. Voilà. Il faut parler à Isabella. Qui est juste ici. Et en fait, la première option là, on a beau cliquer dessus comme un taré, elle ne se déclenche pas. Il faut cliquer sur la seconde. Bon, évidemment, là, le personnage a bugué, donc en cliquant dessus, voilà. Voulez-vous vraiment passer la bataille de Lordaeron? Donc on peut pas, quoi. On peut pas faire la bataille et moi ça m'emmerde. Pour les vidéos, j'aurais bien aimé la faire. Donc je sais pas trop. Le truc c'est que le cœur d'Azeroth, parce que on peut quand même avoir le cœur d'Azeroth hein, en passant à la bataille de Lordaeron. Et c'est quand même un plastron enfin ça donne un plastron qui est nécessaire. Clairement qui est nécessaire pour les Battlegrounds. Donc sans ça, on va se faire défoncer en permanence quoi.
Ça freeze. Bon. Donc je sais pas trop. Je vous avouerai, je sais pas trop, donc Donc moi je vous propose, c'est en attendant que ça se soit scripté, on peut partir sur le truc que j'avais pas vu. Sur ça. Donc il faut que je trouve le caveau des gardiennes. C'est un donjon, ça doit être indiqué de toute façon. J'ai... Non, pas là. Ça pour Dalaran. Est-ce qu'on va faire également... Ah oui, alors j'aurai pas le temps pour cette session de tournage. Les Battlegrounds, je les tournerai à part. J'enregistrerai à part. Je voulais me lancer, me m'inscrire dans la liste d'attente pour les Battlegrounds. Mais... Il faudra attendre. Mais on va regarder rapidement au caveau, juste au moins où ça se trouve avant de quitter, enfin, avant d'arrêter. Excusez-moi. Avant d'arrêter cette session de tournage. Toc 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 toc. Non, sérieusement, les îles brisées. Donc ça se trouve à Azona, les donjons, on a l'œil. Ok, le caveau des gardiennes, il est juste là. Donc, on va tenter ça. À mon avis, c'est un donjon. Les donjons de Légion, ils sont assez violents, hein. Ça m'étonnerait qu'on puisse le faire seul. Allez, on va prendre Redoute des gardiennes. On y va en vol. Et puis on va regarder à ça. On va rapidement regarder à ça avant de mettre fin à la session de tournage. Mais je vous dis, on pourra pas le faire là, à cette session de tournage. Mais il y aura une petite coupure et on le fera, pour moi, dans quelques jours. C'est juste histoire de voir où c'est. Et puis on se retrouvera là. Quand ça? Quand ça? 2, 3, 4. Dans 4, peut-être 5 jours. Non! Non, 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 pas du tout. Non! Dans 5 jours, c'est pas possible. Ouais, peut-être dans une semaine, quoi. Voilà, donc il y aura entre la prochaine coupure là qui va avoir lieu et puis la reprise, il y aura 9 jours d'écart. Je peux pas faire autrement. 9 jours, non, pas 9 jours, 6 jours d'écart. Entre deux, j'aurais certainement eu toutes mes coutures de Draenor également. Ça traîne depuis un petit bout de temps, cette histoire. Ouais, j'ai pas pris le fly le plus proche. Bon, c'est pas grave. Hop. Je suis honoré. C'est ça le fly le plus proche. Donc voilà, c'est histoire juste de... On va voir si le donjon, déjà, je peux le faire seul. Ce que je doute.
donc. Ça m'a l'air d'être là, non? C'est là. C'est classe. Là, je respecte. C'est... Ouais, c'est... C'est classe. C'est classe, c'est classe. On va juste jeter un œil. Mais honnêtement, ça m'étonnerait que je puisse faire ce donjon en une traite. Surtout si les... Surtout si les persos sont hardcore, mais on va tenter. Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Parce que je vois quelque chose qui aspire visiblement, mais... on va tenter un... On va tenter un mob. Parce que le problème c'est que c'est des élites. Alors est-ce qu'ils sont prenables ou pas? Ça me paraît complexe. Ça me paraît être super long en fait surtout. Alors. S'ils sont tous comme ça, c'est juste une question de temps. Ah d'accord. Ah ouais, c'est... Non, c'est cet effet quand même, il est... En vidéo, il est un petit peu chiant. Est-ce que je peux sauter directement là? Visiblement, si je saute là, je serai coincé. Donc il faut que je passe à gauche ou à droite. On va passer à gauche. Je suppose que elle... Non, elle fait pas partie des boss à buter. Alors attendez, juste on regarde un petit peu. Ok. Ok. Ok, d'accord. Donc, en gros, il faut accéder, battre Tyrallon là. C'est ça, Tyrallon. Prendre cette porte. Tuer ce boss. Ah non, on arrive d'où? Non, on arrive de là. Donc on arrive dans une salle de boss. On prend ici, on descend et on récupère notre objectif. Ça c'est l'objectif principal du donjon. Enfin c'est l'objectif de notre quête. C'est pas l'objectif du donjon pour gagner le donjon. Donc à la limite on peut peut-être même se cibler comme ça quoi. Mais on tente en 10 minutes. Honnêtement, je doute qu'en 10 minutes, on puisse, hein. Mais... Je vais utiliser ça, parce que... Hop. Ouais. 5 secondes à chaque fois quasiment.
Ah, je vous dis, c'est une question d'endurance en fait, surtout. C'est pas tant une question du moment que j'utilise bien mon drain de vie quand je suis pas étourdi. Honnêtement, il est faisable. Il est très largement faisable, ce donjon. Parce que, bon, voilà, il y a quand même 2-3 coups à 500 parfois qui se perdent, mais... Mais en soi, il n'est pas infaisable. Ça, par contre, ce sort, il est vraiment chiant. Ce sort est juste vraiment chiant, par contre. Là, aussi un autre avantage, c'est qu'en instance, les mobs ne repopent pas avant minimum 24 heures. Je n'ai commis aucun crime, tira-t-on. Mais vous et vos complices devraient répondre des vôtres. Je m'attendais pas à ce qu'elle m'agrode aussi loin, elle. Notre seul crime a été de tout sacrifier pour le bien de ce monde. Nous combattions pour Illidan, pendant que vous emprisonniez les ennemis de ce monde pour l'éternité. Et puis, vous avez fini par nous enfermer aussi. Nous protégeons des vies au péril de la nôtre. Et nous en payons trop souvent le prix. J'aime pas ce genre de sort. Généralement... J'ai donné ma chair et mon âme. Et qu'est-ce que j'y ai gagné? Un tourment éternel, infligé par mes sœurs. Je ne vis que pour servir mon peuple et ma déesse. Sans intérêt personnel, ni gloire. Pouvez-vous en dire autant? Vous qui vous enivrez du pouvoir de la Légion. Je servirai mon peuple. Je vous exterminerai, vous et les vôtres. Et quand j'en aurai fini, je poursuivrai les rêves de mon mentor. Non, ça marchera pas ça. Je peux tenter une percée, mais c'est risqué. Je tente une percée. Écoutez, ça semble plutôt bien se passer dans l'ensemble. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je prenne pour descendre? Non. Ok. Ok, faut que je bute le boss qui est ici. Ouais, non, mais là j'ai beaucoup trop de mobs sur moi. Je suis mort, c'est quasiment sûr. Surtout si je suis étourdi. Puis j'ai les boss sur moi, je suppose. Voilà. On va attendre que tout le monde se barre. Et on va se concentrer sur le boss. Allez, on a 5 minutes. Et on va tenter de se faire le boss. Ça va, il a que 200 points de vie. Enfin, 200 000 points de vie.
Ah, par contre, s'il utilise des sorts chelous comme ça. Mes lames sont à famille. Alors, par contre, attendez, parce que. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Pourquoi il prend pas l'aggro, mon marcheur? Alors, je suis ennuyé, mon marcheur ne prend pas l'aggro. Il est insensible à l'aggro de mon marcheur. Et ça c'est pas cool. Je tire mes pouvoirs de la rage, la haine et la colère. Ok, je vais devoir jouer du drain. Si je joue du drain, tout va bien. Le problème, ça risque d'être la mana, quoi. Utiliser tout de suite ce sort. Alors ok, alors il a marché, par contre il est pas sensible au fear non plus. il est sensible à très peu de choses en fait. Ça c'est problématique. Je vais essayer surtout de gagner du temps parce que j'ai besoin de régénérer ma mana. Ah d'accord, ok. Là, il est rentré dans une sorte de furie. Ok. On va essayer de... Personne ne peut m'arrêter. Ok. Et puis la foule régène, bien sûr. Ok, donc quand il arrive à en dessous d'un certain seuil de vie, par contre, il passe en mode furie et là, il tape fort. Donc, je pense qu'en fait, ce donjon, pareil, il n'est pas faisable tout seul. Comme tous les donjons de Légion, quasiment. Les donjons et les raids de Légion sont pas faisables tout seul, de toute façon. C'était conçu pour. Fallait tenter. Fallait tenter. Bah écoutez, je tentais de me constituer une petite équipe, hein. Même si ça va prendre un petit peu de temps, parce que... voilà, mais... Donc voilà, donc j'essaie de quête là, ou sinon ben je commence la quête de Battle for Azeroth, mais je vous dis, moi sans le combat de Lord Aeron, ça m'ennuie un peu. Et j'essayais de, quand je traînerai le soir sur le jeu, de parler à un MJ pour savoir s'il compte le scripter ou si c'est vraiment mort, et dans ce cas je continuerai la série, bien évidemment. Mais... Bah dans tous les cas, je continuerai la série, ça c'est sûr, mais est-ce que je dois attendre pour que la bataille soit scriptée ou pas? Là est la question. Donc sur ce, ben j'espère que ce gros début de première série vous aura plu. Je crois qu'on est à l'épisode 70, je crois. Et donc 70 épisodes. Et là, en arrivant niveau 120, et voilà, en terminant un petit peu la campagne de Largus, enfin, en allant le plus loin possible dans la campagne de Largus, on vient de finir le prélude.
de World of Warcraft en réalité. Voilà, jusqu'à présent on suivait l'histoire, maintenant on va devenir l'histoire. Au travers des BG, au travers du PVP, c'est vraiment là qu'on va vraiment rentrer dans le jeu et partir surtout à la conquête du stuff JCJ. Je sais pas où est-ce qu'on achète le tout dernier set, par contre, va falloir que je me renseigne. Ça voilà, ça ce sera fait hors caméra, je pense certainement pour le prochain épisode, l'épisode 71 là, ou la fin de l'épisode 70 là, je serai au courant de où je dois aller pour acheter le stuff JCJ. Je sais même pas à quel set on doit être. On doit être peut-être au 715 ou 716, j'en sais rien. Voilà, voilà. Bah écoutez, bah sur ce, je vous dis à bientôt. Ah oui, je suis remonté à 94 000, en, à 84 000, je veux dire, en pognon. Niveau pognon, je suis plutôt correct. Allez, à plus tard.